C'était avril 2016, on était à l'hôtel intercontinental à Paris. Crif organisait rencontre avec Macron qui venait de créer son mouvement politique. Alors là, il a parlé, on a posé des questions, et le jour même, et je lui ai dit, Monsieur le Président, vos gosses, vous faites un très bon président pour la France. Et il m'a dit, non, je suis pas candidat, J'ai dit, non, puisque Hollande, il n'a pas encore retiré, il n'a pas encore prononcé, et je suis pas candidat, non. Ma femme était avec moi et elle me fait comme ça, comme quoi, c'est bon, ne fais pas de catastrophe. Et Roger Coquelman, il rigolait, il faisait comme ça la tête. Alors 9 mois après, c'était au mois de novembre peut-être, il a annoncé comme quoi il était candidat. Et après quelques mois, il a gagné cette élection. Je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un marabout, non, je suis un pour le... politologue que je connais bien l'histoire, un écrivain, je suis les enfants en plusieurs langues, des chaînes internationales. Comme ça, vous pouvez de temps en temps estimer le caractère des gens et ce qui va passer prochainement, surtout dans la politique. Ça se voyait que lui, il va gagner. Alors, après, tout le monde était avec lui au moment qu'on a voté. Hein. On a dit, on va dire, s'il fait face à tati patata, mais non, de toute façon, tout était préparé, etc. Mais après son élection, il y avait beaucoup de contestations, et surtout, après que M. Trump, il a quitté la France au mois de novembre 2018, et après le 11 novembre, qui n'était pas content de la France, qui a fait un tweet comme quoi il n'était pas content de la France ni de Macron, Gilets jaunes a commencé. Gilets jaunes a commencé. Et même, moi, je ne suis pas contre Gilets jaunes. Je ne veux pas citer le nom de patronne. On disait, oh, complot. Oh, après cette histoire-là, ils ont tout le monde a dit, c'était un complot. Les Japonais contre la France, comme un patron. Je parle de Carlos Ghosn, voilà. Patate. Tout le monde a dit que c'était un complot. Alors, Steve Bannon, vous le connaissez, celui qui a mis en place Trump. Et cette idée populiste dans le monde, c'est bien organisé, c'est une organisation, de toute façon. Je vous conseille d'aller écouter mes émissions, que j'ai donné beaucoup d'explications, mais je disais toujours, même avant qu'il soit président, que Macron n'est pas un guerrier. Il ne va pas faire la guerre, il ne va pas nous ramener dans les guerres. Certaines guerres, c'était commencé avant lui, ok, mais après il a fini la guerre en Syrie, etc., etc. Ce n'est pas un guerrier. En plus, actuellement les contestations contre lui, une grande partie, c'est des ignorants. Ils ne savent pas, ils sont tombés dans le piège. En disant, oh, c'est un esclave des États-Unis. Plusieurs fois, il a fait face aux Américains. Il dit, Trump, il est mon copain. Mais plusieurs fois, il était contre lui. Vous pouvez suivre les informations. Les Saoudiens. Il pensait qu'il avait un allié assez fort comme Macron. Mais non. Alors c'était peut-être la France, il a vendu des armements au Yémen, en Arabie Saoudite, le contrat qui existait, qu'il a utilisé pour le Yémen, mais il n'a pas participé dans la guerre, comme les précédents. Mais il a une participation avec les Anglais, avec l'Allemagne, avec beaucoup d'autres pays, nous avons pu constater qu'il était presque indépendant et avant-garde pour l'indépendance de l'Europe. Moi, j'ai interviewé plusieurs personnalités que vous pouvez l'écouter contre Macron, dans l'autre camp,
Mais à la fin, les choses qu'il dit, ces gens-là, Macron, il l'a fait. GAFA et le taxe, et beaucoup d'autres choses. On dit beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai, le capitalisme, seulement il dira le taxe sur le forton. Ah si, mais ce taxe-là, encore on va trouver d'autres choses. Pour ça, mes chers amis, la France devait jouer son rôle avant-garde, comme à l'époque de Charles de Gaulle dans le monde. Macron, il avait des idées comme quoi couper le financement étranger dans les élections françaises. GAFA et le taxe, et beaucoup d'autres choses. On dit beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai, le capitalisme, seulement il dira le taxe sur le forton. Ah si, mais ce taxe-là, encore on va trouver d'autres choses. Pour ça, mes chers amis, la France devait jouer son rôle avant-garde, comme à l'époque de Charles de Gaulle dans le monde. Macron, il avait des idées comme quoi couper le financement étranger dans les élections françaises. C'est très important, titre, c'est très important, c'est-à-dire il y a le financement étranger dans nos élections. Quand il parle de l'armée européenne, c'est-à-dire on ne va pas être esclave militaire des Américains. Et beaucoup d'autres points positifs de Macron, qu'on oublie, on crée le gilet jaune. Les gilets jaunes sans savoir ce qu'ils vont, ils n'ont pas formulé leur demande après un an, et affaibli. Et en plus, au départ, ils voulaient aller à l'Élysée, et tuer le président. C'est quoi ça? Tuer le président. Regardez comment ils massacrent les manifestants dans les autres pays. On ne dit rien ce qui se passe. Bahreïn, Koweït, Arabie Saoudite, Iran, Yémen, ça c'est des pays musulmans et d'autres pays également. On ne dit rien. Plusieurs centaines de personnes assassinées chaque mois. Alors une personne que récemment j'ai entendu, il est allé l'artiste. Tribunal international, cour international, il a déposé une plainte contre Macron. Crime contre l'humanité. Soyez intelligents, soyez des braves. Vous avez voté quelqu'un, au moins laissez-lui 5 ans de travailler. Vous allez le tuer. C'est rigolo. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut, mes chers amis. Laissez travailler. Chaque jour, quand il se lève, il y a des problèmes. Il y a des bruits à droite et à gauche qui doivent les régler. Alors comment il peut travailler pour vous? Comment il peut travailler pour nous? Au moins 5 ans, vous l'avez choisi. C'est vous qui vous avez voté en majorité. C'est vous. Et après un mois, vous changez d'avis? Vous avez fait la même chose pour les autres présidents. Oh, on a voté pour lui, puisqu'on était contre l'autre. C'est vous qui vous n'étiez pas... Je suis désolé, hein. C'est vous. Quand vous votez, réfléchissez. Sinon, ne votez pas. Chaque fois qu'on vote, après un mois, deux mois, un an, on va aller le tuer. C'est rigolo. Triste aussi.